Ouais, salam alaikum, bonjour, bienvenue, je suis une olive. Vous êtes nombreux à me demander un peu les péripéties de la voiture là. Donc, alhamdoulilah, comme vous pouvez le voir, ça prend forme. La culasse est remise en place, les injecteurs sont remis en place, les bougies sont remises en place. Là, j'ai galéré comme un malade pour remettre l'échangeur RR, le tuyau d'arrivée turbo, il est là. La vanne EGR, elle est là-bas. J'ai galéré aussi comme un malade pour recaler la distribution. Le vilebrequin aussi. Vous voyez là, il y a les marquages, les différentes marques pour gérer la courroie d'accessoires qui est là, qui est en place. Voilà, ça prend forme. C'était juste pour vous tenir un peu informé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent où ça en est. C'est vrai que ça peut paraître long, ça fait 2 mois, mais comme je travaille dessus que le week-end ou très tôt le matin avant d'aller au travail, ça prend forme. Tout doucement, ça prend forme. Inch'Allah, après, on va faire un branchement valise. Vous voyez là, les différents capteurs sont pas encore branchés. Le capteur d'arbre à cames. Là, il y a le capteur de la pompe haute pression qui est branché. Il manque le capteur de vilebrequin. Il y a tous les trucs qui sont pas encore branchés. C'est pas encore fini, mais ça prend forme, ça prend forme. Parce qu'en plus, oui, il y a le démarreur là que je viens de mettre. Il est là. Démarreur, alternateur. Voilà, ça prend forme. Puisqu'en plus, il faut étudier, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc forcément, quand on n'avait aucune base, ça prend un peu de temps. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend forme. Il y a le chant des oiseaux, c'est le matin. C'est agréable de travailler dans des conditions pareilles. Et puis voilà. À bientôt, Inch'Allah. Ciao, bye bye, salam alaikum.